contre-attaque qui amène ce but. Victor qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Luis Alberto. Attention, il a du champ devant lui. Cherche une solution là. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Elle méritait mieux cette reprise de la tête, mais elle est au-dessus. Philippe Anderson. Et il gagne quelques mètres. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Le match vient de commencer, alors pas de carton, l'arbitre reste calme. Il y avait faute, mais ça profite à l'AC Milan, ça continue. L'espace directement dans les pieds de l'adversaire. Une très bonne passe de sur Immobilier. Et le dernier mot pour le gardien. Sergei Milinkovic-Savic. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Immobilier. Pedro. Ah non, le ballon est perdu. Il y va tout seul. La bonne présence là du gardien. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. La passe qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Il avance encore. Felipe Anderson. Quelle occasion manquée. Ah, c'est bête, hein. Ça aurait complètement relancé ce match. Ouais, l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle, hein, sur cette partie. Immobilier. Allez, par-dessus. Aïe, 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 hors-jeu. Quel dommage, cette passe en profondeur qui aurait pu faire très mal. Il aurait fallu attendre un tout petit peu pour lancer l'appel. Théo Hernandez. Allez, il y a de l'espace devant lui. Magnifique parade, mais ce sera que pour les photographes parce qu'il y avait hors-jeu au départ de l'action. Je crois qu'il y a du nouveau dans le match du Napoli. Apparemment un but. Oui, 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 il s'agit du premier but pour le Napoli. Un but à zéro donc, alors qu'on joue depuis 15 minutes ici. Parfait, merci pour ce point rapide. Cataldi. Immobilier. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. C'est un coup franc pour les Milanais. Simon Kerr. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. C'est vrai, Immobilier. Le gardien qui repousse. Milinkovic-Savic. Sergueï. Ouais, ça presse haut. Attention à ce ballon. Personne. Oh, bien coupé là par le défenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il s'échappe. Et le but, que c'est beau.
Voilà, contre-attaque qui amène ce but. Ensuite, il essaie de conclure en force. Ils sont face à face. C'était le bon choix. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Un 2-0 au tableau d'affichage. Le ballon qui sort, touche. Luis Alberto. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Il cherche le point de pénalty. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Il vient au duel. Attention à la contre-attaque. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il. Immobilé. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Cataldi sur Immobilé. Attention à la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Anderson. Milinkovic-Savic. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Luis Alberto. Il prend la frappe. C'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. La possession du ballon qui n'est pas en faveur de l'équipe locale, hein, vous le voyez. Elle a été capable, hein, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. À elle de préserver son avance maintenant. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ouais, il a le temps de centrer. Le ballon qui a été dévié, c'est un corner à suivre. Le corner en direction du point de pénalty. Ah, le mauvais dégagement là, attention. Ouais, pas de problème dans les gants. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Milinkovic-Savic. Une occasion de revenir à un but. Et le ballon hors cadre. Hors cadre, pourquoi ne pas jouer en force? Trop fin sur ce coup. Ante Rebic. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais. Oh, poteau! Oulala! Oulala, c'était très chaud là, le ballon qui a touché le cadre. Et finalement, il est capté. Plus de peur que de mal. Ouais, là, c'est Milan, sanctionné là, par l'arbitre, c'est une faute. N'oubliez pas, hein, tout à l'heure, le match très attendu qui devrait nous valoir de belles émotions. Ce sera un vrai bon match qui nous attend dans quelques minutes maintenant. Ouais, le hors-jeu qui est signalé, ouh, ça doit être vraiment limite, hein. Ouais, ça s'est donné comme il faut. Quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Il est bien tiré le corner, là. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Attention à la contre-attaque. Pedro. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Luis Alberto. Personne. C'est Immobilé. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Immobilé. Oh, la frappe de Mule. La frappe de Mulas. Mais alors sans cerveau.
Ante Rebić. Ils vont bénéficier de la touche. Oh là, il fait n'importe quoi sur cette touche. Ah non, la mauvaise passe. Immobilier. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Luis Alberto. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Luis Alberto. Donne en retrait. Oh, finalement, c'était chaud, mais finalement, sans problème. C'est récupéré ce ballon, capté. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Centre peut-être, allez. Oh, la tête, pas cadrée, mais elle n'a pas du tout. À Serbie. Avec Luis Alberto. Immobilier. Attention, il est tout seul. L'action qui n'est pas encore terminée. Ah, l'occasion ratée. Ah, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon quand on laisse passer les occasions comme ça de revenir dans un match mal embarqué. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. Voilà, c'est reparti. Raphaël Léon. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, le centre dans la surface. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. On va s'interrompre un instant parce que le score vient de bouger, je crois, dans le match de la Fiorentina. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de la Fiorentina. Un but inscrit par Ricardo Saponara, même si c'est aussi grâce à une déviation. On en est donc à 2-1, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci infiniment. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Bonne anticipation sur cette interception. C'est le en profondeur. Ouais, c'est bien dosé, ça. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Pas de réussite, parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Attention, ça peut devenir intéressant. Mais non, finalement, c'est un ballon perdu. Interception.
Ça passe très très loin du cadre. Ah, attention, hein, il n'y aura plus de remplacement après. Il est passé. Oh non, mal négocié ce duel, très mal négocié. Je comprends pas trop là vraiment. Immobilé. Sergueï maintenant. Immobilé. Cataldi. Ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Alberto. Sergueï maintenant. C'est vrai, Immobilé. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Ante Rebic. Le centre qui file vers le second poteau. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah, le tir qui file tout droit dans les bras du gardien, pas de problème. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Ah non, la mauvaise passe. Pedro qui continue. Immobilé. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Luis Alberto. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Contre-attaque peut-être. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ouais, c'est bien donné ça. Oh non, c'est raté, mais pourquoi? Pourquoi jouer si vite? C'est un manque de sang-froid. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Le joueur qui va rentrer. Nikovic Savic. Stéphane Radu. Luis Alberto. Personne pour l'arrêter, et attention, ah, il y a de quoi s'en vouloir, hein. Ce face-à-face était une vraie occasion de but, mais dans les buts, on n'avait pas l'intention de se laisser faire. Ah, c'est bien donné ce ballon. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Oh, ça touche le cadre. Il faut dire que l'angle de frappe était loin d'être évident. On n'était pas loin du but. Acerbi. Avec Acerbi. Immobilé. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, il a du champ. Oh, quelle occasion c'était. Quelle occasion c'était, ce face-à-face. Et le ballon finalement capté sans trop de problèmes. Il poursuit son action. En Terebic. Non, non, ça ne passe pas. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Non, c'est perdu ce ballon par Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic. Immobilé. Allez, but, allez, un but de retard en moins, c'est toujours ça. Tiens, voilà, ralenti. Le petit coup d'œil pour voir où mettre le ballon. Arrête terre, petit filet.
Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Il a perdu le ballon après l'avantage, alors on revient à la faute. Ah non, le ballon est perdu. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Non, sans problème pour le gardien. Immobilier, Cataldi, sur Immobilier. Philippe Anderson. Et le but, oh là là, l'exploit qui est désormais à portée de main. Plus qu'un but, ils seront revenus à la hauteur. Ah bien, encore heureux que c'était son mauvais pied, hein, parce que la frappe est bonne, elle est précise. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Le Milan qui fait bien tourner ce ballon en ce moment. Oh, et le but! Encore un! Et l'écart au tableau d'affichage qui s'élargit encore! Tout ça, il élimine bien son adversaire direct. Frappe magnifique à la fin, puissante. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. Offensive des Rossoneri. Oh, attention, c'est pas fini. La touche. L'entraîneur qui va faire un changement. Sergei Milinkovic-Savic. Immobilier. Johnny. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oh, la défense, là, bien vigilante hein, sur ce coup. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. L'équipe qui, dans l'ensemble, a dominé son sujet. Il se retrouve devant assez logiquement avec ses deux buts d'avance pour l'instant. Ce ballon en profondeur. Pas tellement de solutions. Allez, dégage, très loin. Et le joueur en deux temps, le corner. Allez, le ballon qui est dégagé. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Et le ballon qui change de camp. Immobilier. Derrière, il continue là d'avancer. Milinkovic-Savic. Bien joué dans l'espace, Milinkovic-Savic. C'est dévié, corner. Du mouvement au bord de la touche. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Luis Alberto. Sergei maintenant. Immobilier. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ouais, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. Ouais, c'est une faute, il a mal maîtrisé son geste. Il cherche un partenaire dans la surface. Oh, la mauvaise relance. Très bonne anticipation sur ce ballon.
3 minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Allez, dans la surface, il y a du monde. Non, c'est terrible, terrible de manquer une occasion comme ça de réduire le score. Je pense que ça vient un peu sceller les derniers espoirs. On a complètement raté cette passe. Immobilier. Luis Alberto. Récupération et peut-être une action dangereuse. Il frappe. Le gardien, c'est pas fini. C'est le hors-jeu hein, par l'arbitre de touche. Trop statique dans la surface. Allez, c'est terminé, c'est terminé. La place en Ligue des Champions est assurée. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Reste maintenant à aller chercher le titre, pourquoi pas ?